suis très heureuse parce que je suis heureuse. Et je suis très contente qu'il y en a l'expo ici, qu'on peut rappeler les soldats russes qui morts ici pour la, pour la France pendant la Première Guerre mondiale. 16, 17, 18, 19 avril 1916, les troupes russes ont perdu 6000 hommes. 6000 hommes tués, blessés ou portés disparus. 6000 hommes, c'est-à-dire 2000 personnes par jour. C'est énorme, c'est un carnage, c'est un vrai carnage. Et moi, je peux dire que ça ne sera pas une exagération de dire que le sol de Coursy est imprégné par le sang des soldats russes. Il y a une petite centaine d'années, puisque nous n'y sommes pas encore, la commune de Coursy était aux mains des ennemis de l'époque, aux mains des Allemands. Et en avril 1917, elle a été délivrée par nos amis russes qui sont venus en renfort. Et en fait, c'est un pan de l'histoire qui était relativement peu connu. Dans la commune, on savait bien qu'il y avait eu des troupes russes qui étaient venues en renfort, mais on connaissait peu l'histoire. Et puis, il y a quelques années, on nous a parlé d'honorer les soldats russes. On s'est donc penché sur l'histoire et on a compris. Ce qui nous tenait le plus à cœur, c'était des photos. Parce qu'on trouvait que mettre des photos de militaires russes, ça nous obligeait tous et toutes à rendre le devoir de mémoire. Ça donne une image de ce qui s'est passé. On est obligé de s'arrêter un instant sur ces visages et de se dire, eh bien là, c'est pas la télévision, c'est la réalité. Ça a bien eu lieu ici, même si maintenant on a du mal quelquefois à l'imaginer. Et puis nous avons aussi rencontré d'autres personnes qui nous ont dit, si vous faites une exposition, on peut vous prêter ceci, on peut vous prêter cela. Donc pour nous, c'est une jolie histoire. Je voudrais aussi remercier les gens qui nous ont aidés, parce qu'effectivement, nous sommes une petite commune. Alors je voudrais remercier tout de suite la Maison Moum, qui vous proposera un petit rafraîchissement qui vous fera plaisir, parce qu'il fait très très chaud. Je voudrais remercier la Maison Fossier, et puis aussi la Maison Floralie Garden, qui nous a permis de rendre cette exposition un petit peu plus naturelle, dirons-nous. Avec l'arrivée du centenaire, on se remémore un certain nombre de choses que l'on a entendues, qu'on avait presque oubliées, mais qui étaient en fait enfouies dans le tréfonds de notre mémoire. Et une exposition comme celle-ci nous permet de nous rendre compte, de visualiser le fait que ces événements, c'était pas ailleurs, c'était aussi ici, c'était une guerre mondiale, bien entendu, enfin, et donc beaucoup de territoires ont souffert, mais en particulier la région rémoise et notamment le secteur de Coursy. L'exposition que vous voyez, moi j'ai vu tout le processus de la genèse, de sa préparation, et je veux dire qu'on a commencé avec Madame le maire, Martine, il y a à peu près 2-3 ans, non ? Je suis très ému quand je regarde tous les objets qui sont exposés, puisque ce sont surtout les objets authentiques. On voit que certains objets ont été trouvés dans la terre de la commune de Coursy. J'en suis sûr qu'il y a encore beaucoup d'objets pareils, hélas, dans les champs qui entourent votre commune. Et qu'il y a même un canon qui a été, on m'a dit, prêté par un habitant de Coursy qui... Ah non, pas de Coursy, mais quelqu'un qui est un homme sans doute prudent, qui garde un canon dans son garage. Il n'a pas peut-être tout à fait tort. Pour nous les Russes, le monument qu'on va inaugurer le 25 avril à Coursy, c'est le symbole de l'amitié, de la fraternité d'armes qui a toujours à des épreuves importantes de notre histoire à lier nos deux grands peuples. Moi, je pense qu'il faut toujours aborder les relations entre deux pays avec une vision de long terme. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a des circonstances, disons, politiques qui peuvent nous éloigner un jour, mais je suis tout à fait conscient que quand on a derrière nous une histoire, je dirais, millénaire de relations, si on prend entre Kiev qui a été
qui a épousé Henri Ier à Reims, la cathédrale de Reims. Alors, quand on a cette histoire millénaire de relations, je suis confiant dans leur avenir. Il est resté en France. Il ne voulait pas rentrer parce que quand il a demandé sa naturalisation en 1930, il déclare dans les archives que j'ai retrouvées qu'il n'avait plus de lien avec le gouvernement soviétique parce que ses biens avaient été confisqués. Maladès, en russe, maladès, c'est brave homme. C'est mon grand-père, Michel Molotzov. Il est arrivé avec le corps expéditionnaire russe en France. Et donc, il s'est battu ici à Courcy. Il a été blessé. Et donc, lui a survécu. Il a fait souche en France. C'est-à-dire qu'il a, avec, je crois qu'ils sont à peu près 3500, être resté en France. Et donc, voilà pourquoi je suis, moi, descendant, un petit Français, grâce à mon grand-père. J'étais aussi très, très touché par le fait qu'il y a des dessins, des enfants, des petites choses qui ont fait pour cette exposition, c'est-à-dire les petits habitants de Courcy ont aussi participé à cette grande exposition et j'aimerais qu'ils soient aussi associés, bien sûr, qu'ils puissent visiter cette exposition et pas uniquement les élèves de votre école, mais aussi de l'école de Reims. Voilà, c'est un carton d'amis. Très bien. Voilà, regardez. Ben, on se trouve ici devant la une du journal Le Petit Parisien, en date du 21 avril 1917, c'est-à-dire on est quelques jours après la libération du village de Courcy par les Russes. Donc là, on voit que ça a quand même été un événement important au niveau national, puisque ça a fait la une du Petit Journal, du Petit Parisien, excusez-moi. Et Le Petit Parisien, c'était le journal qui avait la plus grande diffusion à cette époque-là. Dimanche, j'aurai l'immense plaisir de donner une conférence à Courcy sur le rôle des brigades russes pendant la Première Guerre mondiale, expliquer rapidement pourquoi elles sont venues là et ce qu'elles ont fait. J'ai écrit deux livres sur le sujet qui m'a passionné. J'espère vous faire partager ce sentiment et cette connaissance. C'est la place du piédestal, hein ? Tout à fait. Donc là, la statue, le petit livre, il y a un, vous savez, il y a un...